Le temps que vous délibériez, que vous preniez votre dernière décision, si jamais. Allez, on va. Voilà, rapprochez-vous un peu, mesdemoiselles, mesdames. Une jolie ville. Alors, on avait 10, Isa numéro 1. En numéro 2, Miss Sanasuid. En numéro 3, Mini Pink Lady. En numéro 4, Miss Madison. En numéro 5, le duo des Miss Betty. En numéro 6, Blue Rose. Et en numéro 7, Miss Shirley. Donc on leur fasse un grand bravo, s'il vous plaît. Alors, on va laisser le chemin délibéré. Détendez-vous tranquille, c'est bon, ne prenez plus la pause, on va attendre. D'autant que le jury, voilà, vous avez des contrats. On va laisser le jury faire, vous êtes bien avec nous, il fait meilleur ici qu'en bas. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui a des pronostics? Oui, Andréa, tu voulais. Non, non, c'était juste savoir. Je voulais me donner comme ça au public, si des fois des pronostics à faire. Hein. Alors, on sait jamais. GG, il casse pas le matériel. Alors, tiens, si je demandais à Bernard, qu'est-ce que ton pronostic, Bernard? Doute-toi, pourquoi ça ne m'étonne pas? Ça ne m'étonne pas, notre Bernard. D'ailleurs, Bernard, j'aimerais que tu rejoignes sur scène avec le président quand il y aura les résultats. Regardez, elles sont belles, hein, elles ont mis des belles tenues. Elles ont tout un charmant sourire, bien coiffées, bien maquillées. C'est juste ce qu'ils font, bravo. Alors le maquillage, il y a eu Laetitia de Beauté Plaisir de Salon, qui en a maquillé quelques-unes. Et puis les accessoires, les robes, c'est notre Isa Perlina qui les a équipées pour ceux à qui avaient besoin un peu d'accessoires ou de robes pour changer de tenue. Alors on les remercie, voilà, parce que c'est important aussi d'avoir des partenaires. Et je vais sortir mes petites fiches parce que vous voyez, c'est quand même. Il en faut les fiches. Alors il faut savoir que tous les cadeaux qui étaient offerts pour les Miss, pour la première dauphine et la deuxième dauphine, sont des cadeaux offerts par l'auberge de beauté de Salon de Provence. Et les écharpes ont été faites. C'est notre ami Bernard qui s'est chargé de faire les écharpes. Donc vous allez voir une chose de très jolie, très soft, très bien. J'ai l'impression que Julie a un souci, non? Il a du mal à se décider. Hein. Bon, moi j'ai l'air pour la photo officielle, je me mets. Ah non, j'attends que j'ai les écharpes. J'attends que j'ai les écharpes et tout. Comment ils peuvent sortir de scène, on va les faire venir après? Alors voilà, ben, c'est parce que vous pouvez troubler le jury à mon avis.